Hello, hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. J'espère que toi qui me regardes en ce moment, tu vas bien. Alors aujourd'hui, c'est le retour à Lomé de Kessy, notre Kessy nationale. Et donc voilà, si vous ne le savez pas, c'est ma cousine. Donc ce soir, on va l'accueillir à l'aéroport. Je pense qu'elle va arriver à 21h30. Mais là, il est 19h07. On est très loin de l'aéroport. En plus, on va passer chez notre grand-mère, sa grand-mère également. La prendre avant de prendre le chemin de l'aéroport. Donc bon, on est déjà en retard. Donc vous allez regarder le reste de la vidéo. Et puis voilà, vous allez lui souhaiter la bienvenue dans les commentaires. Donc on y va. Un combat vraiment dur. C'est pas facile pour toutes les filles parce que c'est l'ensemble des grands à cette étape. Donc c'est un sentiment de joie. Voilà. Vous gagnez en expérience, c'est ça? Oui, parce que nous, on a toujours gagné en expérience parce que moi, j'ai personnellement beaucoup appris à ce stade de la compétition. Et pour moi, c'est une valeur de plus. Et pour moi, j'ai bien noté beaucoup de choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je crois qu'il a tout dit. Je n'ai pas grand-chose à dire à part dire un grand merci à tout ce monde-là qui nous a suivis. Il n'y a pas que les Togolais dans l'affaire. Il y a du genre d'un peu partout, de la Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique ou en Europe. On vous dit un énorme merci. On vous dit, ça vient à peine de commencer. Et soyez branchés, soyez juste avec nous, soyez à côté de nous. Ne nous lâchez pas et on ne va pas vous décevoir. Voilà, merci beaucoup. The Voice Afrique s'arrête, mais ce n'est pas la carrière. C'est la carrière qui commence. Alors, The Voice Afrique s'arrête, il sert pour nous. Oui, mais... on a notre voix et donc on va toujours la faire. On attend des singles, voir l'album. On vous laisse découvrir. C'est mieux comme ça. On vous laisse dans le suspense. Et qu'est-ce qui vous a de plus marqué au cours de cette compétition? Alors, au cours de cette compétition, on a affronté des grandes voix, des grands talents, des personnes qu'on ne connaissait pas et on est devenu une famille et tout ça. Et je peux dire qu'on a été... on a été choqués, mais positivement, d'avoir eu un impact comme ça. Parce qu'on n'était pas que les seuls à savoir chanter. Mais le fait d'avoir eu cet impact-là, ça nous a énormément touchés. Voilà, c'est ce qui nous a marqué. C'est bon? Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est?
parler pour que même quelqu'un qui vient à Moulin, il vient à Vignabénané et Noiré, et quand je perds, il y a un Moulin, vous avez un Moulin, vous avez un Moulin, et vous avez un Moulin, et vous avez un Moulin, voilà, par contre, là, on veut devenir des ministres, et nous, nous, on va bien ou pas bien ou nous. Et bien, comme il avait des voix, ça a fait une voix. Ni bien, il y avait des voix. Chico.